C'est un dossier bâclé. C'est un dossier bâclé. Vous avez entendu la plaidoirie de Maître Mendès qui amène des éléments concrets. L'instruction a été bâclée, on n'est pas rentré dans le fond, on n'a pas vu les relevés bancaires, on n'a rien vu. On a voulu condamner un élu de la République, on a voulu condamner Henri Gibrayel. Je ne sais pas qui m'en veut, mais je sais que ce procès, c'est un procès bâclé, c'est une honte. C'est un dossier bâclé où on n'est pas rentré dans le détail. Et Maître Mendès a démontré ce matin à l'audience qu'il y avait des éléments et que les éléments, ils ne sont pas allés chercher. Des éléments qui me dédouanent sur les accusations portées par le procureur de la République. On vous reproche notamment principalement des détournements de fonds publics, d'avoir utilisé de l'argent public à des fins personnelles. Vous avez dit que c'était votre argent, c'est bien ça? Absolument, c'est mon argent. C'est un argent affecté aux parlementaires, c'est un argent libre d'utilisation. Avant 2015, on est dans des faits qui sont de 2012-2013, voilà 10 ans, et qui étaient de libre dépense. D'ailleurs, on avait le droit de faire ce qu'on voulait. Et j'en ai fait ce que j'ai voulu. C'était mon argent. C'est comme si vous alliez acheter avec votre salaire une baguette de pain. Pouvons-nous vous le reprocher? Non, c'est le même cas pour moi.